ravi de vous accueillir pour ce beau démarrage avec Jérémy Dumont qui vient de me rejoindre sur scène et que je veux bien que vous applaudissiez, s'il vous plaît. Alors pourquoi je suis particulièrement content que Jérémy soit là? Parce que bah, figurez-vous qu'on a besoin de rêver, on a besoin de nouveaux référentiels, on a besoin de nouveaux imaginaires. C'est ça aussi qu'on aime dans cette idée de prendre modèle sur le vivant, c'est qu'on redécouvre aussi à travers le vivant de nouveaux récits. Donc je passe la main et je laisse la scène à Jérémy Dumont qui va nous embarquer et nous expliquer pourquoi on a besoin de ces nouveaux imaginaires. Et vous allez voir, ça va être très chouette. Merci beaucoup Jérémy d'être là. Déjà un petit mot pour te remercier Alain. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes les opportunités d'innovation que tu ouvres avec le vivant. Je suis ravi d'être là avec vous. On va parler d'imaginaire. Donc moi je m'appelle Jérémy Dumont. J'ai créé une association qui s'appelle Nous sommes vivants, qui réunit des indépendants dans l'innovation et la transformation. Et on apporte l'écologie dans les organisations, que ce soit les entreprises ou les collectivités territoriales. Otto Scharmer, qui est un penseur de la théorie U, dit que le futur est déjà là. Alors il a un geste qui est assez intéressant, il dit qu'on peut le palper dans l'air. Et donc le futur est déjà dans cette salle, il est en chacun d'entre vous, si vous vous donnez le temps d'y penser, le temps de le faire émerger, de faire émerger vos désirs, vos envies, et il est en nous tous. Et on va un petit peu vivre cette expérience-là ensemble aujourd'hui. Nous sommes vivants, c'est le fait que dans la nature, il n'y a pas d'individualisme. Dans la nature, on est tous connectés. Il n'y a pas d'intérieur, d'extérieur. La nature est à l'intérieur de nous. Nous sommes la nature. Et j'ai la ferme conviction que c'est cette prise de conscience qui va nous donner envie de prendre soin de la nature. Parce que prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous et inversement. La mission qu'on s'est donnée, c'est régénérer le vivant. Et on va en parler de cette piste de la régénération. Et j'insiste sur le fait du vivant parce qu'on ne régénère que du vivant. Déjà un constat, l'écologie n'est pas populaire. On l'a tous vécu dimanche, 5% pour Europe Écologie Les Verts, c'est pas un bon score. Il y a une très très forte tension dans la société française entre d'un côté les gens qu'on considère être irresponsables et ceux qu'on pense être responsables, et ça crée une énorme tension socioculturelle dans le monde, et en particulier en France. Il faut se l'avouer, être écolo aujourd'hui, c'est une contrainte, c'est renoncer. Le premier geste des Français, c'est une étude que j'ai faite avec Ipsos, avec Nous sommes vivants, il y a quelques années, le premier geste des Français responsables, c'est recycler. Il n'y a que 40% des Français qui recyclent régulièrement, correctement. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et aujourd'hui, l'écologie, ça peut être perçu comme punitif. Ne pas prendre l'avion, ne pas manger de viande, ne plus acheter de fringues. Eh bien ça, c'est pas populaire. Quand on regarde en France, on a la moitié des Français qui ne sont pas engagés dans l'écologie au quotidien, sur ce Kantar. Dans le monde, on a quand même des éco-engagés qui sont engagés sur plusieurs choses responsables, aussi bien sur les transports que sur leur alimentation ou leur façon de s'habiller. Le chiffre dans le monde est en progression. En France, il est relativement en stagnation sur les consommateurs les plus engagés. Regardons avec ce qui se passe avec les imaginaires derrière. En fait, l'utopie écologiste est beaucoup plus puissante qu'on ne l'imagine. Résultat Opsoco 2022, on a 51% des Français pour qui l'utopie écologiste est celle à laquelle ils se réfèrent. Petit point sur qu'est-ce qu'un imaginaire. Un imaginaire, c'est un ensemble de représentations. C'est un ensemble d'images, c'est un ensemble de représentations qu'on se fait qui est issu des mythes et des récits. Ça vient des Grecs, c'est notre culture, c'est notre façon d'être au monde.
dans notre société française. 51%, c'est un très bon chiffre. Parallèlement, on a aussi une utopie identitaire sécuritaire qui monte dans les politiquement, quand même 40% déjà en 2022, et une utopie technolibérale, c'est-à-dire cette notion de technosolutionnisme. Mais derrière ça, c'est notre capacité à nous projeter dans le futur et penser que le progrès nous apportera des bonnes choses. Si on regarde un petit peu au niveau politique ce que ça donne, on n'a que 4% de décroissants radicaux, donc la décroissance n'est pas du tout populaire. On va avoir des modérés verts et aussi des identitaires. On va avoir des modérés sécuritaires et on va avoir des modernes. Mais le schéma d'en dessous est assez instructif. Parce que qu'est-ce qui nous dit que l'utopie que je vous montrais tout à l'heure à 50%, elle se diffuse dans l'ensemble des partis politiques. C'est étonnant, mais de la même façon que pour un écologiste, consommer en circuit court, c'est être écolo, pour certains qui appartiennent à ces modérés sécuritaires, on va avoir quelque chose de très intéressant, qui est que pour eux, c'est le local, c'est la proximité, c'est la préférence nationale. C'est la même utopie. C'est assez déroutant. Là, c'est le même schéma un peu plus grand. Excusez-moi, je fais un peu... Ça m'inquiète un petit peu. Donc, en fait, si vous voulez, l'écologie, c'est pas que l'environnement. Et ça, c'est un point assez important. L'environnementalisme, c'est préserver l'environnement. L'écologie, c'est le bien vivre. C'est bien manger, c'est un air sain. C'est aussi le service public. C'est l'entraide. C'est cette relation qu'on peut entretenir entre les humains et les non-humains. Et donc ça, c'est vraiment important et on l'oublie. Ça, c'est la fresque des imaginaires. Vous en avez un qu'on a fait hier ici. L'objectif de cette fresque des imaginaires, hier on était sur Habiter sur Terre en 2050, c'est de passer des imaginaires dystopiques à des imaginaires utopiques. Et c'est basé sur les différentes relations qu'on peut entretenir au vivant. Et c'est cette relation qui va poser quatre imaginaires. D'un côté, on a cette grande séparation nature-culture. De l'autre côté, on a la grande alliance au vivant. Et en se reconnectant au vivant, on retrouve des imaginaires utopiques. Si vous voulez, quand on parle d'imaginaires dystopiques, c'est le monde va s'effondrer. Dans les imaginaires utopiques, c'est on va bien vivre demain. Ça donne différents imaginaires. Et c'est catégorisé en quatre différentes relations en fonction de la ségrégation. Donc on sépare les humains de la nature, de l'intégration, les humains font partie de la nature. Et l'autre axe, c'est une vision globale. On regarde la société ou le monde comme un tout. Et de l'autre côté, c'est la somme des individus qui fait un tout. Dans l'anthropocentrisme, l'humain exploite la nature. Les humains sont des sujets, la nature est un objet. Et on a un imaginaire, effectivement, assez dystopique de prédation, d'effondrement, de pollution. Dans le biocentrisme, c'est vivre dans la nature. Donc là, ici, c'est ce qui est important, c'est l'égalité, l'équité entre tous les êtres vivants, qu'ils soient humains ou non humains. On est centré sur le vivant et on est dans un imaginaire quand même un petit peu nostalgique et un peu triste avec la disparition de certaines espèces, la souffrance animale. Dans l'écocentrisme, c'est la prise de conscience que humains ou non humains vivent sur Gaïa, sur une même planète, que notre maison est une maison commune entre les humains et les non-humains. Et là, c'est la pensée cyclique. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle lunaire. Et on va retrouver derrière tout ce qui va être économie circulaire. Vous avez remarqué que l'image précédente était déjà beaucoup plus utopique. Dans le multicentrisme, qu'on appelle aussi pluricentrisme, c'est regarder le monde à travers une pluralité de regards. Chaque être humain ou non humain est singulier et on va regarder les choses dans un intérêt mutuel avec empathie. La grande différence, on retrouve ici du biocentrisme, on retrouve aussi l'écocentrisme, mais là on est dans une grande coalition.
entre les humains et les non-humains dans un territoire pour améliorer la qualité de vie. On est dans l'action, on est dans la régénération. Un exemple, prenons ce petit lézard de Alain. Dans l'anthropocentrisme, on regarde la nature comme quelque chose qui nous sert, qui nous est utile. Et donc, on regarde le petit lézard comme en se disant, ben, est-ce que ça se mange ? En quoi ce petit lézard est-il utile ? D'un point de vue plus global, on va être dans la sobriété, on reviendra à ça plus tard. Dans le biocentrisme, comme je vous disais, tous les êtres vivants ont une valeur intrinsèque et on doit préserver la vie. Donc, typiquement, on va se dire, mais créons un oasis pour les reptiles. Et donc, derrière, il y a toute la logique des réserves naturelles. Dans l'écocentrisme, ça va être plutôt, qu'est-ce que la nature peut nous apprendre ? Quels sont les secrets qu'on pourrait en tirer pour nous adapter, nous, dans notre société ? Dans le multicentrisme, on va chercher des relations mutuellement bénéfiques. Qu'est-ce que je peux faire pour ce lézard ? Qu'est-ce que ce lézard peut faire pour moi ? Quelle serait la bonne relation ? Où ça ? Dans quel endroit ? Donc on va parler de « c'est un allié au jardin ». On peut avoir différences scientifiques aussi. Dans l'anthropocentrisme, on a les naturalistes qui vont classer le vivant. Dans le biocentrisme, on va avoir les biologistes qui observent le vivant pour le comprendre, comme Vinciane Després. Dans l'écocentrisme, on va avoir les écologues. Eux, leur obsession, c'est l'équilibre, c'est le retour à la stabilité, c'est la mesure. Et dans le multicentrisme, on va avoir pas mal de choses très intéressantes, dont Anna Tsing, qui va chercher les interactions. Elle va considérer qu'effectivement, dans un territoire, il y a des humains, il y a des non-humains, et elle va mélanger les différentes approches scientifiques ou anthropologiques pour avoir un regard d'ensemble sur toutes les interactions. Et par exemple, elle est fascinée par les champignons. Si on regarde donc ce qu'on a montré hier pour inspirer donner envie aux gens de se projeter dans un monde désirable, vous irez voir, il est à la fois responsable et désirable, cet imaginaire. Il y avait 5 groupes, ça c'est une des restitutions. Si on se dit habiter, ça veut dire quoi en 2050 ? Dans l'anthropocentrisme, on va avoir un bunker, parce que le monde va s'effondrer. Et comme on est riche, on peut se construire un bunker ultra luxueux. Dans le biocentrisme, on va avoir un earthship, une maison passive, où on essaye d'avoir la plus petite empreinte. Elle est presque même sous terre. Dans l'écocentrisme, on se dit, mais comment fonctionne la forêt ? Comment on peut amener la forêt dans la ville qui va se réchauffer ? En tout cas, connaître des pics de température à 50% plus fréquemment. Dans le multicentrisme, on est dans la cohabitation. On va se dire, mais si j'habite à la campagne, que j'ai un champ de blé, les rapaces me sont utiles pour les petites souris, est-ce que je peux les héberger chez moi ? En termes d'innovation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, déjà, on a la sobriété. La sobriété, c'est la croissance verte. Le but, là, ça va être de vivre moins de la nature. Donc, voilà, on limite nos externalités négatives, sobriété, on baisse le radiateur. Dans la décroissance, qui est différente, qui n'est pas pareille que la sobriété, c'est une alternative de vie. Et on essaye de vivre sans superflu. Dans l'adaptation, voilà, on a l'imaginaire solarpunk. Ça va être comment on pourrait adapter la ville. Et l'image est assez flagrante. Effectivement, on ne traite pas le grand sujet des écosystèmes. On essaie de s'adapter à des écosystèmes qui changent. Dans la régénération, dans cette nouvelle alliance, on essaye de vivre en symbiose entre humains et avec les non-humains. Chez Nous Sommes Vivants, on a donc cet outil qui est la fresque des imaginaires, qui est un atelier de 3 heures. Et on a le business model Canva de l'entreprise régénérative qui vise à lancer des produits et des services à impact contributif. Quelques exemples pour conclure sur les lauriers qu'on vient de remettre de la régénération où on a récompensé des innovations, des produits, des services qui sont contributifs d'un territoire. OMI, marque régénérative, issue de pratiques agricoles bio-régénératives. Ils utilisent le Planet Score pour montrer leur trajectoire d'évolution, qui est déjà excellente, puisqu'ils ont énormément de produits, 67% qui sont déjà
parfait en termes de pesticides, biodiversité, climat et bien-être animal. Biolo, pareil, sur le Planet Score. Conditions d'élevage top, c'est bio. Et ils arrivent à engager une filière de l'éleveur jusqu'au producteur dans des démarches qui sont bonnes pour la santé et bonnes pour la nature, dont les animaux. OE Bicorp, bio-régénératif, ils visent une certification américaine qui existe et qui est distribuée en France, qui est Régénérative Organic Certified, le bien par le bon, super exemple, tout bon. Jardin de Gaïa, ça fait des années, 20 ans, qu'ils sont déjà sur ce chemin-là. Là aussi, c'est vrai que la gouvernance aide, c'est une entreprise familiale, des chiffres. On peut faire de l'argent avec l'écologie. Les deux ne s'opposent pas. Expansions. Donc là, on a d'un côté un groupe de cosmétiques qui abandonne un produit qui n'est pas bon pour l'environnement. De l'autre côté, ils créent un produit qui s'appelle Gaia Line, issu de pratiques régénératives agricoles. Et l'innovation, la régénération, pour cette entreprise qui souhaite... qui a une visée régénérative en 2040, ils sont déjà en train de se transformer avec un produit. La Fénière, donc là on est plutôt dans le tourisme, c'est un chef étoilé qui a créé une structure avec un fonds de dotation. Les repas coûtent un petit peu cher, mais il y a un fonds de dotation, il y a des projets solidaires, il y a de l'éducation, il y a tout un mouvement de nourrir, et ce circuit des revenus et de cette culture sont organisés pour être contributifs. Un lieu à Lyon, la permaculturelle, il s'inspire de la permaculture au niveau de l'architecture, au niveau des façons de travailler, au niveau de leur connexion avec la nature. C'est tout intégré, c'est pour faire simple, un coworking. L'écologie culturelle, donc là on passe plutôt du côté culture, et là c'est comment effectivement on peut faire de la culture un levier d'écologie et inversement, et il crée des lieux de diffusion de la culture écologique de façon sensible. C'est ça qui nous manque aujourd'hui et qui est fondamental aussi. Quand on donne des chiffres qui sont vrais mais qui peuvent faire peur, est-ce qu'on peut aussi à travers la joie, le plaisir, rendre l'écologie populaire? Exemple de financement aussi, il y a de l'argent dans ces canaux-là et il y a plusieurs modèles aujourd'hui pour arriver à financer cette transition, parce que oui, il y a une transition et oui, on a besoin de financement. Voilà. Donc voilà, pour nous, vous pourrez nous rejoindre, je vais prendre quelques questions. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous éveille des questions sur les élections à venir, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Je ne sais pas comment ça marche les micros, s'il y a quelqu'un qui fait passer les micros. Tu peux parler fort, allez, vas-y. Oui. Oui. Merci, allô, oui. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de ne pas s'identifier à un parti ou à un autre, mais parce que tout le monde est concerné. Donc, il faut ratisser plus large et dire, maintenant, on n'est plus les Verts ou l'écologie, on va faire un nouveau parti, par exemple, disons, au niveau de la planète, qui s'appellera Vivre, par exemple. Oui, on pourrait. Et dire aux gens... Allez, lance-toi. Voilà, par exemple, moi, j'ai ma fille qui est impliquée dans la fresque du climat, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un mouvement français qui est en train d'apprendre au monde que le changement du climat, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 50 ans, c'est pas une génération, on est tous impliqués. Preuve en est, les inondations et d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, elle est basée aux Émirats et elle est en train d'apprendre à tous les pays du Golfe et à rentrer dans des sociétés françaises et autres dans les pays du Golfe. Alors, elle a indiqué que il faut vraiment s'occuper du climat et de l'écologie. Donc moi, modestement, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que
on puisse ratisser plus large sans ça appartenir à un clan ou à un autre. Oui, en tout cas, sur le premier point du marketing de l'écologie, oui, en fait, il faut reparler de bien vivre. L'écologie populaire, c'est reparler des sujets qui intéressent les gens. Ce n'est pas forcément aller dans les quartiers populaires ou être populiste. Donc, ce qui est populaire aujourd'hui, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on mange, la santé, l'éducation, la qualité de l'eau, de l'air. Et y a une petite déviance sur une écologie qui est apparue plus contraignante et dénouée de plaisir, et qui fait que c'est très certainement aujourd'hui, voilà, on a un problème. Quelqu'un d'autre veut réagir ? Un apport ? Qu'est-ce que les imaginaires peuvent nous apporter ? Pas, il est branché, ouais, super. Quand vous avez dit ce n'est pas aller dans des quartiers populaires, pardon, vous venez de dire écologie, convaincre les gens, c'est pas aller dans les quartiers populaires. Oui. J'avoue que ça m'a un petit peu hérissé parce que justement, moi, ce que je me dis, c'est que ce matin, vous avez la chance de parler à des gens qui sont plutôt convaincus, certainement, mais que justement, quels imaginaires convoquer. Quelle sémantique proposer, quel projet proposer pour convaincre alors vous avez dit 50%, je ne sais pas les chiffres, moi je ne les connais pas, mais pour convaincre les gens, justement les emmener dans ce projet-là, projet. Je comprends votre point, vous avez raison. La première chose, c'est que l'écologie soit désirable. Une fois qu'elle est désirable, effectivement, on peut l'amener dans les quartiers. Peut-être qui s'intéressent moins à l'écologie ou qui ont moins les revenus nécessaires ou les informations ou les façons de faire qui pourraient les aider. Mais le premier problème que l'on a aujourd'hui, c'est de redevenir désirable. Avec le message actuel, on ne peut pas aller plus loin. Et en tout cas, si on regarde le vote écologie, d'autres personnes de la famille écologiste à gauche, on est plutôt sur CSP+, grande ville. Vous allez voir, dans les grandes villes, tout le monde va bien voter. Le FN a fait des tout petits scores à Paris. Pour l'instant, voilà. Et il y a des mouvements populistes à l'extrême gauche ou à l'extrême droite qui, elles, savent travailler, capter les gens qui ne se sentent pas heureux, qui ne se sentent pas dans le bien-vivre. Et nous devons nous reporter ce discours de bien-vivre, d'espoir, qui est nécessaire, sinon ça fait monter les extrêmes. Bonjour. Moi, juste sur ce point de rendre désirable ou d'intégrer, qui revient tout le temps pour tous les sujets, en fait, c'est comme si les hommes se demandaient comment rendre le féminisme désirable et comment on pourrait attirer les femmes dans le féminisme, en imaginant qu'on est un peu en arrière. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose, à mon sens, sans intégrer les gens dans la formation du truc, dans la formulation. C'est-à-dire c'est l'écologie avec les gens, pas contre les gens, ça, oui. Oui, puis si on parle des banlieues, ça va être des gens des banlieues qui formulent une écologie qui sera désirable pour les gens des banlieues ou des zones rurales. C'est pas possible de faire quelque chose de désirable pour quelqu'un qu'on n'est pas. En tout cas, ce qui se dit en ce moment, c'est que l'écologie est en train de rentrer dans le dur. Et puis la phrase qui suit après, c'est « on aurait bien aimé faire un meilleur score alors qu'on rentre dans le dur ». Donc l'écologie s'est diffusée, maintenant surgissent les vrais problèmes de l'écologie et l'économie, de l'écologie quand on n'a pas trop d'argent. Ça, ce sont des vrais problèmes. Et donc, il y a un effet de rebond, de réaction. Voilà. Donc, il y a une bonne nouvelle. C'est que tout le monde est conscient de l'écologie. Tout le monde commence à faire des choses. Et on est en train de se poser des vraies questions. Une dernière intervention, oui ? Deux ? Alors, je ne suis plus chez Europe Écologie Les Verts actif, mais j'ai co-organisé les marches climat en 2018.
Et là, du coup, j'ai appelé quelques personnes que je connaissais. Je tiens juste à préciser que nous sommes vus en état politique, mais je pense que quand même l'écologie est politique. Bonjour. Moi, je ne connais pas la fresque des nouveaux récits, donc je m'interrogeais un peu plus sur le livrable, entre guillemets, à l'issue de l'atelier. Et pour partager, donc moi je travaille dans un groupe d'éducation dans l'enseignement supérieur. On a réalisé un design fiction sur les futurs souhaitables, près de 4000 étudiants. Bravo. Et on est en train de mesurer comment justement le travail sur des imaginaires souhaitables peut avoir un impact sur les stratégies de coping des étudiants. Donc comment ça peut influer pour réduire leur anxiété justement du futur. Donc je voulais savoir si vous étiez aussi dans ce type de démarche. Donc ma première question c'est sur le livrable et je ferai la fresque bien volontiers. Et si vous avez pu mesurer ou si vous avez envie de mesurer comment ces imaginaires peuvent avoir un impact ensuite sur les comportements des individus. Donc il y a deux fresques, la fresque des nouveaux récits, la fresque des imaginaires. Donc là vous êtes avec la fresque des imaginaires, donc avec les représentations qu'on se fait à partir de mythes, avec toutes ces images mentales que l'on se fait, et toute cette puissance effectivement des images et non pas des récits. Mon envie, c'était effectivement de permettre à des gens d'arriver à se reprojeter dans un futur. Donc autour de moi, il y a des gens qui disaient « le monde va s'effondrer, pourquoi je ferai des études ? Ça ne sert à rien. » Et ma première envie, c'était de montrer qu'il y avait une perspective. Et donc le livrable, c'est ce genre de collage où on discute de est-ce que c'est responsable, est-ce que c'est désirable, à quelle échéance de temps ça pourrait avoir lieu. Et le fait de le faire en individuel et collectif permet de se mettre en mouvement vers une vision. Ensuite, à la suite de ça, on peut se dire, parce qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire sur notre mission d'entreprise ? Qu'est-ce que ça veut dire pour ma marque ? Qu'est-ce que ça veut dire pour des produits ? Mais en 3 heures à 1500 euros, le livrable, c'est déjà une nouvelle ouverture qui est inspirée par des planches thématisées. Ça peut être sur la chaussure, ça peut être sur la montagne. Toutes les fresques que je porte, que ce soit la fresque du facteur humain, la fresque des émotions, la fresque des imaginaires, jouent sur quelque chose qui est la conscience que l'on a de nous-mêmes et travailler sur nous, dans une reconnexion au vivant. Et par rapport à d'autres outils pédagogiques, on est encore dans « on va le faire une fois pour prendre conscience au niveau du COMEX », mais il n'y a pas de déploiement massif. On parle avec la Cité des sciences pour faire 10 sessions avec des scientifiques, c'est exceptionnel. Si on arrive à faire 10 séances dans une même entreprise, dans un même territoire, on pourrait mesurer quelque chose. Mais si mes commanditaires n'inscrivent pas cette démarche-là dans un plan plus global de transformation, cet outil reste quelque chose qu'on fait pour dire « Ah, ben, j'ai fait la fresque du climat. Ah, ben, j'ai fait la fresque du facteur humain. Donc, ben voilà, c'est bon. Voilà, ça y est, je l'ai fait. Ben, moi, je suis responsable, je l'ai fait. » Non, être responsable, c'est avoir un plan de transformation avec des objectifs. Et après, on a des outils qui fonctionnent. J'espère avoir répondu à votre question. Je crois qu'on a fini. Oui, merci beaucoup. Merci. Jérémy Dumont.